Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons détailler 3 outils utiles pour retraiter des données sous forme tabulaire. Transposer, dépivoter et pivoter les données. Ces 3 opérations sont proches et il existe une certaine confusion entre elles. On va essayer d'y voir plus clair. C'est parti. Première opération, l'opération transposer. L'opération transposer est assez simple. Elle consiste à permuter toutes les lignes et toutes les colonnes. Dans Excel, on peut réaliser cette opération avec la formule transposer. Égale, transpose, je sélectionne mon tableau, je ferme la parenthèse et entrée. Ici, en colonne, j'ai les noms de super-héros et à présent, j'ai les mois. En ligne, j'avais janvier, février, mars et à présent, j'ai le nom des super-héros. Il est aussi possible de réaliser cette opération avec Power Query. Je vais sélectionner une cellule de ma table. Clic droit, obtenir des données à partir. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Avant de réaliser mon opération, je vais aller dans Accueil. Et au niveau 2, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je vais sélectionner Utiliser les en-têtes comme première ligne. À présent, je peux réaliser mon opération. Je vais aller dans Transformer, Transposer. J'ai bien mes super-héros en ligne et mes mois dans la première colonne. À nouveau, je vais dans Accueil et je peux utiliser la première ligne pour les en-têtes. Fermer et charger. Fermer et charger dans. Je vais charger mes données sous forme de tableau, par exemple, ici. Je vais fermer ce volet. Et voilà mes données transposées. Deuxième opération, dépivoter les colonnes. On va passer de ces données à ces données. Cette table est ce qu'on appelle une table structurée. Chaque colonne correspond à un type de données différent. Nom, mois, score. Alors que dans ce tableau, nous avons 3 colonnes qui concernent des mois. L'avantage d'avoir une table structurée, c'est de pouvoir y apposer facilement un tableau croisé dynamique. Je sélectionne une cellule de cette table, insertion, tableau, tableau croisé dynamique. Je vais venir placer mon TCD ici. OK. Et à partir de là, je peux facilement faire une synthèse, par exemple, et par score. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec ce type de tableau. Pour arriver à cette table, on va dépivoter les colonnes janvier, février et mars. Elles vont devenir une seule colonne et les scores vont devenir une autre colonne. On va faire ça avec Power Query. Je sélectionne une cellule de ma table, je fais un clic droit, obtenir des données à partir. Me voilà dans Power Query. Je vais aller dans Transformer. Dépivoter les colonnes. J'ai ma colonne des noms qui est sélectionnée et moi je veux dépivoter les colonnes qui concernent les mois de janvier, février et mars. Donc je souhaite dépivoter les autres colonnes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas sélectionnées. Voilà le résultat. J'ai plus qu'à renommer mes colonnes, attributs en mois et valeurs en score. Accueil, fermer et charger dans. Et je vais placer mon tableau, par exemple, ici. OK. Et voilà mon tableau dépivoté. Nous venons de faire l'opération suivante. Nous sommes partis de ce tableau. Et nous avons dépivoté les colonnes qui concernent les mois. Donc les mois sont devenus une colonne unique. Janvier, février et mars se répètent à chaque changement de super-héros. Et les scores sont aussi devenus une colonne unique. Troisième opération, pivoter les colonnes. Il s'agit de l'opération inverse. Précédemment, nous allons pivoter la colonne des mois pour créer 3 colonnes. Une colonne janvier, février et mars. Je sélectionne une cellule de ma table. Je fais un clic droit, obtenir des données à partir. Me voilà dans Power Query. Je vais sélectionner ma colonne à pivoter, la colonne mois. Transformer, pivoter la colonne. J'ai la boîte de dialogue pivoter la colonne qui apparaît à l'écran. Ma colonne de valeur est la colonne des scores. Dans options avancées, éventuellement, je peux préciser que je ne veux pas agréger ces scores. J'appuie sur OK. Et voilà mes 3 colonnes de mois, janvier, février et mars. Accueil, fermer et charger dans.
je vais placer mon tableau dans la feuille de calcul, par exemple ici, entrée, OK, et voilà le résultat. Nous venons de pivoter la colonne moi. Les mois redeviennent des colonnes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI ou les nouveaux outils d'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.